Bonjour. Je vous remercie d'être venu pour cette session du groupe Imagerie sur le prolapsus valvulaire mitral. On va commencer par les points clés du prolapsus présenté par le docteur Ariane Truffier, que je remercie. Bonjour à tous. Bonjour, merci au CNCH et à son comité d'organisation de me permettre de faire cette présentation. Donc, nous allons parler aujourd'hui du processus de la valve mitrale et de l'import de l'échographie du diagnostic au traitement de cette pathologie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation aujourd'hui. Nous allons donc parler des insuffisances mitrales de type 2 selon la classification fonctionnelle de Carpentier qui sont caractérisées par un excès des mouvements valvulaires d'un des deux feuillets de la valve mitrale et qui se distinguent du type 1 et du type 3 qui présentent soit dans un cas des anomalies sur la valve comme une perforation ou bien des restrictions de mouvement dans les types 3. On ne parlera pas aujourd'hui des IEM secondaires. Le prolapsus valvulaire mitral répond à une définition qui est maintenant consensuelle. Il s'agit d'un prolapsus d'un ou des deux feuillets de la valve mitrale de plus de 2 mm par rapport au plan de l'anneau mitral. C'est un diagnostic qu'on fera en échographie essentiellement en coupe parasternale grand axe, puisque la valve mitrale a une forme en selle de cheval, comme vous pouvez le constater sur cette image-là. Et il serait erroné de conclure un prolapsus de la valve mitrale en coupe incidence en séance de cavité, puisque dans cette incidence-là, vous allez plutôt voir les extrémités internes et externes de la valve mitrale qui sont, elles, d'emblée plus basses. Quand vous allez faire une échographie d'un prolapsus de la valve mitrale, il va falloir avoir en tête les préceptes d'Alain Carpentier. C'est-à-dire qu'au terme de votre échographie, il faudra pouvoir répondre à plusieurs questions. La première, c'est quelle est la dysfonction valvulaire que vous avez identifiée? Est-ce une ballonisation, comme on peut le voir sur cette boucle? Est-ce un prolapsus, cette fois-ci plutôt un débord de plus de 2 mm d'un ou de deux feuillets en arrière de l'anneau, donc vers l'oreillette gauche, mais avec une extrémité de feuillet valvulaire qui reste orientée vers le ventricule gauche? Ou à l'extrême, est-ce un flail, c'est-à-dire une éversion complète d'un ou deux feuillets de la valve mitrale, en général plutôt un, avec l'extrémité donc qui va dans l'oreillette gauche? Ensuite, il va falloir identifier quelles sont les lésions qui sont responsables de ce prolapsus valvulaire. Est-ce une rupture de cordage, plutôt une rupture de pilier? Est-ce qu'il y a une végétation? Et à la terme de votre échographie, vous aurez certainement une suspicion diagnostique, à savoir une dégénérescence fibroélastique, c'est le cas le plus fréquent. Est-ce une maladie de Barlow? Est-ce un prolapsus d'allure syndromique, comme on peut voir dans les maladies marfans ou les élèves d'anus? Ou bien êtes-vous en face d'une endocardite? L'échographie devra également vous permettre d'identifier les retentissements de la fuite valvulaire que vous êtes en train d'évaluer sur le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les cavités droites, évidemment, et vous devrez caractériser la sévérité de la fuite. Alors, pour faire l'analyse du mouvement valvulaire, l'échographie transthoracique va être le premier outil que vous allez utiliser. Il va falloir prendre le temps de faire une bonne échographie. Une bonne échographie, ça veut dire faire des incidences systématiques, avec et sans zoom, avec et sans couleur, et s'entraîner. Le point important, à mon avis, c'est de faire le diagnostic sur l'incidence parasternale grand axe en balayant la valve mitrale. En général, quand vous allez poser votre sonde d'échographie, vous allez avoir une incidence plutôt neutre, vous allez visualiser les feuillets A2 et P2 d'abord. Mais pour bien visualiser la valve mitrale, il faudra orienter votre sonde vers la valve aortique pour mieux visualiser les feuillets A1 et P1. Et ensuite, vous orientez plutôt vers une parasternale tronquée pour visualiser A3 et P3. Il ne faut pas oublier de faire l'incidence parasternale petit axe pour revoir tous les feuillets de la valve mitrale en une seule boucle. Et bien sûr, dans l'incidence apicale 4 cavités, vous visualiserez mieux P1, A2 et A3. En incidence 2 cavités, vous visualiserez mieux P1, A2 et P3. En 2005, Jean-Luc Monin avait montré que l'échocardiographie est souvent suffisante pour poser le diagnostic d'un prolapsus valvulaire mitral. Si vous prenez le temps de faire toutes les incidences telles qu'elles sont recommandées dans les différentes recommandations qui ont été émises ces dernières années, à savoir donc, la parasternale en balayant la mitrale, la parasternale petit axe et les incidences apicales 4 cavités et 2 cavités. Ici, je vous montre le cas d'un patient qui présente une insuffisance mitrale qui est plutôt moyenne,
Et vous remarquez que le G va vous donner tout de suite une information sur le mécanisme de fuite qui est en place. Ici, vous avez une fuite qui est en train de s'orienter vers l'oreillette gauche avec un prolapsus qui vient plutôt de la valve mitrale antérieure. Par contre, vous remarquez que chez ce même patient, vous allez pouvoir mieux ou moins bien visualiser la fuite. Ça dépendra simplement de l'orientation de votre sonde. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de balayer la valve mitrale sur l'incidence parasternale. Je vous montre ici le cas d'un autre patient pour vous illustrer l'intérêt de la coupe parasternale petit axe. Ici, c'est un patient qui présente un prolapsus de P3. Sur l'incidence parasternale grand axe, on remarque un flux plutôt d'allure pseudo-éjectionnelle avec une orientation de la fuite vers la valve aortique. Et l'incidence parasternale petit axe vous permet d'identifier l'origine de la fuite plutôt vers son commissure interne avec ce prolapsus de P3 qui sera ensuite confirmé en ETO, on le verra plus tard. Pour illustrer donc, mes propos, je vous propose également de regarder le cas clinique de ce patient de 76 ans qui nous est adressé par une cardiologue de ville pour évaluer une insuffisance mitrale chez un patient qui se dit plutôt post-symptomatique. Je vous laisse regarder un instant les boucles. Alors ici, on est donc devant un patient qui présente un prolapsus plutôt du feuillet postérieure avec une fuite qui est pseudo-éjectionnelle vers l'aorte. En petit axe, une fuite plutôt d'allure centrale. Et je vais peut-être casser un mythe, hein, par rapport à ce que disent les recommandations, on n'a pas toujours des très belles échos, des images parfaites. Donc il faut prendre le temps de faire ces boucles et des fois répéter les examens, surveiller les patients régulièrement pour voir si des paramètres s'aggravent, comme sur l'évaluation du ventricule gauche ou la FEVG, pour pouvoir conclure à la sévérité de la fuite valvulaire que vous êtes en train d'analyser. Donc. Toujours en échographie, vous allez donc mesurer le diamètre de l'oreillette gauche dans l'incidence parasternale grand axe et le volume, qui doit être supérieur à 60 mm² pour représenter une indication chirurgicale. Si vous regardez le ventricule gauche, il faut regarder les diamètres télédiastoliques et surtout le diamètre télésystolique. S'il est supérieur à 40 mm de mercure, c'est également un critère pour orienter le patient vers la chirurgie. Si vous pensez à l'inverse, que votre patient ne sera pas opérable mais qu'il pourra peut-être bénéficier d'un mitraclip, il faudra penser à faire la mesure de la surface mitrale sur l'incidence parasternale petit axe. Et enfin, il faut bien penser à regarder les autres valves, la valve aortique mais aussi la valve tricuspide, surtout dans les prolapsus valvulaires mitraux syndromiques comme dans le Marfan. Alors, je vous dis un mot sur la mort subite et les prolapsus valvulaires mitraux, simplement pour vous dire qu'on a identifié il y a quelques années maintenant ce qu'on appelle le syndrome de disjonction annulaire mitrale. Benjamin Sayag vous en reparlera plus en détail tout à l'heure. C'est une entité qui fait partie des Barlow, mais qui est un petit peu particulière, qu'il faut avoir en tête, qui se caractérise essentiellement par un prolapsus bivalvulaire, parfois qui concerne un seul feuillet d'ailleurs, et surtout qui est accompagné d'un curling de l'anneau mitral, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'enroulement de cet anneau mitral qui va créer une certaine tension au niveau de l'anneau mitral et de la zone qui est juste en arrière, qui se caractérise également d'un point de vue anatomopathologique par une fibrose en arrière de cette valve mitrale et au niveau des muscles papillaires, et qui va s'accompagner volontiers sur le plan électrophysiologique d'anomalies du rythme cardiaque. Donc ici, vous avez une illustration qui vous montre que l'anneau mitral va venir s'insérer à distance du ventricule gauche et cette zone va représenter une tension et une zone favorable à l'apparition de la fibrose. L'ETO, dans l'évaluation du prolapsus valvulaire mitral, va avoir toute sa place. Cependant, ce n'est pas l'examen à réaliser systématiquement et en première intention, puisque Jean-Luc Monin avait montré en 2005 que l'échographie cardiaque transthoracique vous apporte dans 91% des cas toutes les informations dont vous avez besoin pour porter votre diagnostic positif et pour évaluer la sévérité de la fuite, sauf pour les prolapsus de P1 et de P3 qui seront effectivement mieux visualisés en ETO. De même, le TT va pouvoir vous orienter sur les possibilités de plastie en cas d'orientation du patient vers la chirurgie. Dans la mesure du possible, il faudra donc faire le TO plutôt en périopératoire
pour éviter le caractère inconfortable de cet examen. Et elle est indispensable, par contre, au moment de la chirurgie, pour la discussion avec le chirurgien, confirmer la localisation du prolapsus que vous avez identifié et discuter des possibilités de réparation valvulaire qui ne dépendent évidemment pas que de l'analyse échographique, mais aussi de l'expérience du chirurgien et de la qualité du tissu que le chirurgien va pouvoir trouver quand il va opérer le malade. Néanmoins, c'est important de pouvoir identifier la localisation de la fuite, s'il y en a une ou plusieurs. Le TO va avoir également un intérêt dans les analyses techniques quand on va vouloir proposer un mitraclip. Il faudra avoir recours et aussi bien au 3D que à la fonction X-plan en ETO pour pouvoir voir tous les feuillets de la valve, souvent de façon simultanée, et pouvoir éventuellement confirmer vos suspicions diagnostiques quand vous avez un petit peu de mal à vous repérer sur le 2D pour identifier le prolapsus valvulaire. Je vous rappelle ici les principales incidences qu'il va falloir réaliser en ETO pour identifier le prolapsus valvulaire. Donc, tout d'abord, à 0 degré, vous allez avoir en mi-œsophage plutôt P2 et A2. Comme vous voyez ici sur la vignette B. Si vous remontez un petit peu dans l'œsophage, donc en œsophage, vous aurez plutôt une visualisation de 1-1 P1 quand vous avez la valve aortique à gauche de votre écran. Et quand vous descendez un petit peu, vous visualisez plus volontiers A3 P3. Il ne faut pas oublier de faire une coupe bicommissurale, plutôt à 60 degrés, qui vous permet de visualiser P1, A2 et P3, et c'est souvent dans cette incidence-là que vous allez pouvoir identifier le prolapsus de P2, puisque vous verrez le feuillet passer de l'autre côté de l'anneau mitral, tandis que le feuillet A2 restera bien sur le plan de l'anneau. Et enfin, vous allez réaliser la coupe transgastrique quand elle est tolérée par le patient, ou s'il est déjà sous anesthésie générale, pour visualiser tous les feuillets de la valve mitrale, pardon, tous les segments de la valve mitrale. Alors, si on revient à notre cas clinique, je vous montre ici l'apport de l'ETO, puisque l'échographie transthoracique, comme vous l'avez constaté, n'était pas si belle. Alors, à 0 degré, je vous rappelle, donc, on voit P2 A2. Donc, ici, on identifie le prolapsus de P2. En coupe bicommissurale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez plutôt visualiser P1 A2. P3 avec le P2 qui vient passer dans l'oreillette gauche. Et quand vous mettez le Doppler couleur, vous voyez une fuite qui est en train d'inonder l'oreillette gauche et qui va confirmer la sévérité de la valve que vous étiez en train de suspecter en ETT. Ne pas oublier de faire la coupe à 90 degrés, également pour identifier le prolapsus valvulaire, et enfin la coupe à 120 degrés qui vous remontre les versions complètes du feuillet postérieur au niveau de P2 dans l'oreille gauche, et le feuillet antérieur qui reste au niveau du plan de la loupe. Alors, un autre exemple ici de prolapsus qui concerne plutôt P3, et j'ai pris cet exemple pour vous montrer l'intérêt de l'ETO et de la réalisation systématique des incidences, puisqu'ici, en coupe à 0 degré, vous devinez qu'il y a une fuite mitrale qui a l'air importante, cependant, vous ne voyez pas d'anomalie au niveau des feuillets. Par contre, dès que vous passez sur l'incidence bicommissurale ou à 120 degrés, vous allez pouvoir identifier un prolapsus de P3. Ici, je vous rappelle, la coupe bicommissurale, elle va passer donc par A1, A2, P3. Donc là, vous voyez très nettement le prolapsus valvulaire au niveau de P3. Quelques exemples d'acquisition 3D que l'on peut faire. Donc ici, c'est notre cas clinique. Donc, on identifie, après avoir sélectionné un volume plutôt restreint sur la valve mitrale, en élargissant un tout petit peu sur le X-plan pour intégrer l'auricule gauche et un bout de la valve aortique, on obtient cette image 3D qui va vous permettre d'identifier très nettement le prolapsus de P2 au milieu de la valve. Comme ça, si jamais vous avez eu un doute au niveau des acquisitions en 2D, vous serez certain de votre diagnostic. Ici, le prolapsus de P3 que l'on vient de voir, sachant que donc, le ventricule droit est ici et que la valve aortique est en haut. Et ici, une autre image d'un prolapsus antérieur A2, A3, qui également était difficile à diagnostiquer et identifier en ETT, et l'ETO est venu corriger la suspicion diagnostique. Alors, dans le prolapsus valvulaire mitral, on va également vouloir faire la quantification de l'insuffisance mitrale. Donc là, on bascule plutôt sur l'évaluation de l'insuffisance mitrale et sa sévérité
dans toutes les insuffisances mitrales primaires. Donc, les recommandations vous disent qu'il faut essayer d'obtenir plusieurs paramètres, des paramètres qualitatifs, mais qui ne seront pas suffisants pour conclure à la sévérité de la fuite, des paramètres semi-quantitatifs, avec en premier plan la vena contracta qu'il faudra s'attacher à obtenir, que ce soit en coupe parasternale grand axe ou en coupe apicale, en faisant une fenêtre zoomée et couleur sur la fuite. Et le but est de mesurer donc le diamètre de la fuite juste en aval de la valve mitrale. C'est un paramètre qui est important. Et pour conclure à une IM sévère, il faudra que la vena contracta soit supérieure à 7 mm. Il faut essayer de chercher la PISA. Certaines fois, vous allez l'avoir sur l'incidence apicale 4 cavités. Parfois, par contre, sur les insuffisances mitrales liées au collapsus valvulaire mitral antérieur, elle sera plus facile à identifier sur les incidences parasternales grand axe ou petit axe. Donc vous pouvez faire également une PISA sur le petit axe. L'objectif est d'obtenir une SOR supérieure à 40 mm carré, pardon, pour pouvoir conclure à une IM sévère et un volume régurgitant à plus de 60 mm quand vous additionnez avec l'enregistrement du flux Doppler continu. Il faut également rechercher les autres paramètres de sévérité, à savoir l'inversion du flux systolique dans la veine pulmonaire, une onde E prédominante et volontiers supérieure à 1,2 m par seconde. Et enfin, si vous n'arrivez pas à faire la PISA parce que vous avez une PISA qui est confinée, vous n'arrivez pas à bien visualiser, vous n'êtes pas sûr de votre mesure, et avoir recours à la méthode des débits, qui est certes chronophage, mais qui pourra vous conforter dans l'évaluation du volume régurgitant. Quoi qu'il en soit, il faudra être consistant, comme dit Alec Vagnan, c'est-à-dire qu'il faut rechercher plusieurs paramètres qui vont tous dans le même sens. Si vous avez un seul paramètre et que les autres ne sont pas concordants, il y a forcément une erreur quelque part. Ou bien n'hésitez pas à regarder tous les autres paramètres, à savoir le retentissement sur le ventricule gauche, l'oreillette gauche, la mesure de la PAPS, et répéter les examens pour suivre votre patient et voir si l'insuffisance mitrale a un retentissement sur sa fonction ventriculaire notamment. Pour notre patient, l'échocardiographie avait permis cependant d'identifier donc une PISA en incidence apicale 4 cavités à 1,21 cm et la SOR en résultant avec l'enregistrement Doppler continu permettait d'emblée de conclure à une insuffisance mitrale sévère. On n'aurait pas forcément eu besoin de faire le TO chez ce patient, mais on a dû l'orienter vers une prise en charge chirurgicale et donc on a fait également son ETO qui a permis de confirmer en mesure ici à 90 degrés une mesure de PISA qui était à 1,9 cm, donc une SOR supérieure à 1 cm carré. Alors je ne vous rappelle pas tous les principes de la mesure de la PISA, mais simplement pour vous dire qu'il faut s'attacher à la rechercher dans la meilleure incidence possible. Il faut faire des enregistrements avec du ciné-loupe, zoomer avec de la couleur, et d'emblée, si vous avez une PISA que vous voyez sans avoir abaissé la ligne de base, vous êtes quasiment certain que vous êtes face à une insuffisance mitrale sévère. Il y a cependant un piège à avoir en tête dans l'évaluation de la sévérité de l'insuffisance mitrale et notamment dans les prolapsus valvulaires, puisque des fois ils peuvent être vraiment difficiles à évaluer, c'est qu'il y a un caractère dynamique dans la fuite mitrale qui va avoir, dans certaines situations, et notamment dans le prolapsus valvulaire mitral, un renforcement plutôt télésystolique. C'est un diagnostic que vous pouvez faire donc, quand vous mettez le TM couleur sur l'incidence parasternale. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Topinski avait montré en 2012 qu'il y a une nette différence sur la sévérité et le retentissement des insuffisances mitrales par prolapsus quand elles sont holosystoliques ou quand elles sont plutôt mésotélésystoliques. À savoir que quand vous avez un enregistrement en Doppler continu, comme on le voit ici sur la vignette D, qui est plutôt mésotélésystolique, ce n'est pas forcément une erreur de mesure ou une erreur d'orientation de votre flux Doppler continu, c'est que vraiment la fuite a un renforcement télésystolique et non. Dans ce cas-là, à SOR égale, vous aurez un volume régurgitant qui est inférieur et son retentissement sur le ventricule gauche, l'oreillette gauche et la PAPS sera bien moindre. Et d'ailleurs, le pronostic de votre patient est également bien meilleur que quand la fuite est holosystolique. Donc un piège important à avoir en tête. Quand vous avez une SOR qui est importante, regardez tout de même le volume régurgitant pour ne pas conclure de façon excessive à une insuffisance mitrale sévère. L'apport de l'échographie dans la prise en charge chirurgicale des insuffisances mitrales va être indispensable également. Il y a des cas de figure qui sont plutôt simples et qui sont rappelés par les recommandations. Vous êtes en face de l'insuffisance mitrale que vous avez diagnostiqué comme étant sévère. Votre patient est symptomatique et il est opérable. Dans ce cas-là, vous allez l'orienter vers la chirurgie et si possible vers la réparation mitrale.
Sinon, ça sera du remplacement. Si votre patient a un bénéfice à tirer d'un traitement de cette insuffisance mitrale, mais qui n'est pas opérable, il faudra essayer de l'orienter dans la mesure du possible vers le mitraclip. Si par contre, il n'a aucun bénéfice à tirer de cette prise en charge, et bien dans ce cas-là, vous serez dans le cas d'une prise en charge palliative. A l'inverse, si le patient se dit asymptomatique, vous allez regarder en échographie si la FEVG est inférieure à 60% ou si le ventricule gauche est dilaté à plus de 40 mm de diamètre télésystolique. Si c'est le cas, direction la chirurgie également. Si ce n'est pas le cas, vous allez rechercher avec le Holter une fibrillation atriale de novo ou bien une HTAP, qu'elle soit de repos ou d'effort, pour orienter également votre patient vers la chirurgie. Et si enfin, aucun de ces critères n'est retrouvé sur votre évaluation échographique, mais que vous pensez que le patient a des bonnes probabilités de réparation et qu'il a un faible risque opératoire, vous l'orienterez également vers la chirurgie. Sinon, il faudra le surveiller de près. Dans la surveillance, il va falloir avoir en tête quelques éléments, notamment l'apparition d'une dyspnée de stade 3 ou 4 de la NYHA, même quand elle est transitoire. Savoir que vos patients qui ont une insuffisance mitrale sévère sont d'emblée à plus haut risque d'événements, même quand vous les suivez de près. Si la dégradation de la FEVG commence à se manifester, il faut les orienter précocement vers la chirurgie. Et enfin, la présence d'un flail est clairement un facteur de risque de surmortalité. Enfin, l'échographie d'effort va avoir un rôle pour démasquer les patients qui sont finalement symptomatiques alors qu'ils se disent asymptomatiques. Il faudra notamment s'attacher à rechercher une HTAP à l'effort. Il y a un papier de Dimitri Arangalage paru l'année dernière dans le JAES qui a permis d'abaisser le cut-off de 60 à 50 mm de mercure pour la prise en charge, pour la mesure et le diagnostic de l'HTAP à l'effort. Donc, dès que vous avez un patient qui supporte mal l'effort ou que la PAPS dépasse 50 mm de mercure, c'est un critère pour l'orienter vers la chirurgie. Il y a un papier également qui est paru en 2018 et qui mentionne l'intérêt du strain pour dépister précocement une altération de la FEVG, à savoir que dans ce papier qui s'intéressait à 500 patients qui avaient été opérés d'un remplacement valvulaire mitral ou d'une plastie, on remarquait que quand le strain global était altéré, c'est-à-dire moins 18%, les patients avaient un plus haut risque d'événements cardiovasculaires ou de décès en post-opératoire. Le strain, même s'il n'apparaît pas de façon formelle dans les recommandations, peut vous permettre de dépister précocement une altération de la FEVG avant même qu'elle passe en dessous de 60% comme c'est recommandé. Ariane, il faudrait conclure, s'il te plaît. Je termine. Les recommandations mettent en premier plan l'échographie, l'ETT d'abord, l'ETO bien sûr, l'échocardiographie d'effort dans la surveillance du patient. Il faut réaliser l'ETT au moins tous les 6 mois, l'échocardiographie d'effort au moins une fois par an pour dépister les patients asymptomatiques. La probabilité de réparation valvulaire est importante dans la discussion avec le chirurgien. Si vous identifiez en échographie un prolapsus isolé, eh bien, ça sera plutôt une plastie. Si vous avez l'impression qu'il y aura plusieurs prolapsus ou que la valve est remaniée, calcifiée ou que l'anneau est très calcifié, dans ce cas-là, le patient sera plutôt orienté vers la chirurgie. Et dans ce cas-là, c'est une discussion que vous aurez avec le chirurgien, probablement au moment périopératoire. Un mot sur l'échographie et son apport pour le mitraclip. Donc, le screening en échographie va vous permettre d'identifier les patients qui pourront être éligibles au mitraclip, en sachant que maintenant, même chez les patients qui sont considérés comme challenging, en fait, on a de bonnes probabilités de succès des procédures interventionnelles grâce aux nouveaux clips qui permettent d'avoir un meilleur grasping, même quand le feuillet valvulaire postérieur notamment est inférieur à 7 mm. Je ne m'étends pas sur la question, je vais... Donc, dans le prolapsus valvulaire mitral, l'échographie transthoracique a toute sa place. Il faut prendre le temps de faire une bonne échographie avec plusieurs boucles, enregistrer et répéter les examens. Le TO a sa place quand vous allez avoir des difficultés d'évaluation pour confirmer votre diagnostic ou pour orienter votre patient vers la chirurgie. Il faut bien s'attacher à identifier le ou les prolapsus. Attention aux erreurs d'évaluation de la sévérité dans les IM méso- et télésystoliques. Ne pas hésiter à orienter vos patients vers la chirurgie de façon précoce en screenant de près la FEVG, le strain et le retentissement sur le ventricule gauche et la PAPS. Et enfin, le TO a toute sa place pour guider les mitraclips. Merci. Merci beaucoup. Comme on a pris un petit peu de retard, on va peut-être passer
au topo suivant directement et on fera la discussion après globalement. Donc on va accueillir le docteur Pierre Ledet qui vient nous parler du rôle de l'IRM dans l'évaluation des prolapsus. Bonjour à tous, merci Maxime et Philippe de votre invitation. La question qui m'est posée, c'est le prolapsus valvulaire mitral, y a-t-il une place pour l'IRM cardiaque dans l'indication? Alors, je pense que vous doutez bien de ma réponse. Pour autant, je vais essayer de la développer un petit peu, dans la limite du temps imparti. Je pense qu'un des corollaires, un des prérequis absolument indispensables, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il y a une place pour l'IRM, mais ça nécessite absolument une adaptation thérapeutique, une adaptation de l'examen. Et on ne fait pas une IRM cardiaque tout venante pour analyser une valve mitrale, avec notamment la nécessité d'avoir des plans de recoupe extrêmement précis, extrêmement fins, qui suivent l'orientation de la valve, qui alignent les feuillets les uns aux autres, qui alignent les segments des feuillets les uns aux autres, pour avoir une analyse fine. Et donc, classiquement, on fait des incidences dans les grands repères, 4 cavités, grand axe, petit axe. Là, je pense qu'on peut oublier à peu près la 4 cavités, et vous voyez qu'on verticalise considérablement la pile de coupes, avec des coupes jointives, de manière à s'aligner avec la racine de l'aorte, et à aligner le mieux possible les commissures entre elles. Un autre corollaire indispensable, c'est de faire des coupes jointives pour bien segmenter l'ensemble du ventricule gauche, l'ensemble de l'oreillette gauche et ne pas rater les petites fuites parce que évidemment en échographie on peut s'adapter en temps réel à l'examen et tourner. En IRM on a des images qui sont fixes, donc si on arrive après l'examen et qu'on a raté la bonne coupe et la bonne incidence, eh ben, on arrive trop tard. Et puis par ailleurs, vous voyez qu'on est éminemment dépendant des conditions de charge, des temps d'acquisition, des paramètres de la séquence. Et donc on a des images pour les mêmes patients et pour les mêmes incidences qui peuvent être considérablement modifiées suivant les paramètres de l'examen. À la différence de l'échographie, l'artefact que vous voyez sur l'image de droite, de déphasage, on dit, évidemment, cet artefact, il va être permanent. Et donc, on ne va pas pouvoir l'enlever ou le remettre comme en échographie, on pourrait le faire sur un Doppler. Et donc, cet artefact, il va nous gêner. Il va nous gêner notamment pour la visualisation des prolapsus et pour avoir une analyse fine, morphologique, des feuillets. C'est pour ça que je pense que la place de l'IRM, elle est de loin pas dans l'analyse de la morphologie de la valve. Et Ariane vous a magnifiquement montré avec le topo d'avant tout ce qu'on pouvait récupérer comme information en échographie. Je pense que l'IRM n'a pas cette fonction-là. En raison des artefacts de G, en raison des résolutions spatiales et temporelles dont on a parlé. Et vous voyez que dans cette étude qui compare la détection des prolapsus sur les différents segments des feuillets, on voit que l'IRM fait clairement moins bien que l'échographie. Donc il n'y a pas photo. Par contre, pour ce qui est de la quantification, on a une information apportée par l'IRM qui est autrement plus robuste. Alors il y a plein de méthodes différentes d'analyse. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de toutes les détailler. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la méthode de référence, c'est celle qui est en haut à droite. Donc on évalue le volume d'éjection du ventricule gauche grâce à la pile standard, pile de coupe petit axe qui évalue la FEVG. On la compare au flux d'éjection dans l'aorte ascendante qui est évalué grâce à des séquences de contraste de phase qui sont réalisées vraiment perpendiculaires à l'aorte au niveau de la jonction sinotubulaire. C'est un endroit qui est important à retenir. C'est là qu'on a la meilleure évaluation du flux dans l'aorte. Et donc quand on compare ces deux valeurs, évidemment c'est des choses très classiques que vous connaissez. On a une discordance entre le volume d'éjection systolique et le volume dans l'aorte qui correspond à la régurgitation dans l'oreillette gauche. Après, on a des critères très classiques d'évaluation de la sévérité de la fuite mitrale qu'on vous a déjà montré. Alors, les standards, on va dire, de classification entre fuite mitrale sévère, modérée, sont un peu discordants entre les sociétés, sont un peu discordants entre les études, mais globalement, ça colle assez bien à ce qu'on retrouve en échographie. Évidemment, il y a toujours le jeu d'aller se comparer à l'échographie, la méthode de référence pour l'évaluation des régurgitations. J'aurais pu vous montrer plein de papiers différents. Je trouvais que celui-là était intéressant, où on a essayé de classifier les patients qui avaient tous eu une échographie et une IRM suivant le résultat respectivement de l'IRM et de l'échographie, avec pour certains patients des discordances entre les examens, pour d'autres des convergences. Et donc vous voyez que dans ce papier, avec toutes les limites
potentiel. On a un pronostic du patient qui correspond plutôt au résultat de son IRM. Donc, il semblerait dire que l'IRM est plus robuste. Je pense que il faut surtout l'expliquer par la difficulté potentielle sur certains examens qu'on a en échographie à évaluer. Les fuites mitrales sur des jets qui sont multiples, sur des fuites qui sont excessivement excentriques. Donc je pense que l'important, le message important, c'est de savoir que l'IRM apporte un examen complémentaire, apporte une évaluation différente, et que quand on a des soucis en échographie pour évaluer la fuite, l'IRM peut être d'une utilité certaine. Évidemment, il y a les séquences qu'on appelle 4D flow, donc c'est les séquences de contraste de phase. Et à la différence de ce que je vous ai montré tout à l'heure, au lieu d'être sur une incidence sur un plan de coupe, c'est une sorte de volume qu'on travaille. Donc on a trois dimensions, et ce qui permet a posteriori en fait d'analyser les flux dans l'incidence qu'on choisit, un peu comme un scanner où on choisirait l'incidence qui nous intéresse. Donc ça apporte une souplesse dans l'analyse considérable. Évidemment, c'est une technologie qui est encore en cours de développement, donc tous les centres ne sont pas équipés. Il semblerait que le 4D Flow apporte une analyse des quantifications avec un agrément qui soit satisfaisant par rapport notamment aux méthodes échographiques. Donc, si on devait faire un examen standard pour l'évaluation d'une IRM cardiaque, qu'est-ce qu'il faudrait d'une insuffisance mitrale, hein, d'un prolapsus? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait une pile de coupe standard pour avoir une FEVG, pour avoir le volume d'éjection systolique, les diamètres, les volumes de façon très classique. Il faudrait des coupes centrées sur la valve mitrale, comme je vous ai dit, pour la morphologie. Il faudrait des séquences de phase, particulièrement sur l'aorte ascendante, pour avoir l'évaluation de l'insuffisance mitrale, de la régurgitation. Il faudrait éventuellement avoir du 4D flow si on en a. Et puis, il faudrait avoir des séquences de rehaussement tardif. Alors pourquoi est-ce qu'il faudra avoir des séquences de rehaussement tardif? Évidemment, il y a le bilan global de cardiaque, il y a les éventuelles séquelles d'infarctus, de la cardiopathie. Mais il y a toute une autre dimension dont on a un petit peu parlé dans le prolapsus valvulaire mitral, c'est le risque de mort subite. Le prolapsus valvulaire expose à un risque de mort subite de l'ordre de 1% par an, même moins, qui est de façon importante à signaler, indépendant de la sévérité de la fuite. Alors il y a de nombreuses difficultés dans l'évaluation de cette pathologie et de cette association délétère, puisque le prolapsus, évidemment, vous le savez, est quelque chose de fréquent, et qu'il n'est pas forcément facile d'aller relier une mort subite à un prolapsus valvulaire chez un même patient. On n'a pas forcément d'idée absolue sur la causalité entre les deux choses. La question est, est-ce qu'on peut arriver dans une population qui a un prolapsus à sélectionner un petit peu les patients et à essayer de discriminer lesquels sont les plus à risque de faire un trouble du rythme? Et donc dans cette indication, il y a deux éléments qui sont importants à rechercher, c'est la fibrose myocardique et c'est la disjonction de l'anneau mitral. Alors effectivement, quand vous regardez dans les cohortes de patients qui ont des prolapsus valvulaires et qui ont fait des morts subites, eh bien, vous voyez qu'il y a des résultats impressionnants. Ce chiffre, cette étude est impressionnante. 100% des patients de cette cohorte ont une séquelle histologique dans le muscle papillaire et dans la paroi inférobasale, 100%, et à peu près les mêmes chiffres ont en corrélation de leur histologie à type de fibrose. Et bien, ils ont ce qu'on appelle un rehaussement tardif, c'est-à-dire un hypersignal sur les séquences de rehaussement tardif en IRM cardiaque qui correspond tout à fait. Cette autre étude va tout à fait dans le même sens. Vous voyez, un patient qui a un prolapsus présente dans 31% des cas un hypersignal, un signal de rehaussement tardif dans le territoire inférobasal et dans le territoire inférolatérobasal, ce qui n'est pas le cas de la population sans prolapsus. Et cet hypersignal, cette fibrose, ce rehaussement tardif est en relation et corrélé au risque de troubles du rythme du patient plus tard. Alors quel est le mécanisme? Je pense qu'il est encore en discussion. J'aime bien faire figurer cette image de la Sagrada Familia là, qui me donne toujours l'impression d'être dans un ventricule gauche. On voit les cordages et puis on imagine que si le toit se soulevait toutes les secondes de quelques centimètres ou de quelques mètres, ça entraînerait certaines conséquences sur la viabilité des piliers. Et ben voilà, c'est un peu le mécanisme qui est évoqué, c'est que quand on a une atrialisation régulière de la valve mitrale, il y a une contrainte, un stretch
qui repose sur les cordages et donc sur le pilier en dessous. Et qu'à force de contraintes, on a une fibrose qui s'installe progressivement à la fois dans le muscle papillaire et dans toute la paroi inférolatérale en regard. Alors on a parlé du rehaussement tardif, on peut également parler du volume extracellulaire. Le volume extracellulaire, c'est quelque chose qui est évalué sur les séquences de T1 mapping, donc qui évalue également la fibrose. Le volume extracellulaire est actuellement plus un reflet d'une fibrose globale, diffuse dans le ventricule gauche. Et donc vous voyez que le volume extracellulaire, lui, n'est pas corrélé à la présence d'un prolapsus valvulaire, il est plutôt associé, lui, à une fuite mitrale, et donc à la fuite mitrale et aux conséquences de la fuite mitrale. Donc c'est plus le témoin, on va dire, de la cardiopathie valvulaire en elle-même et de l'altération de la FEVG ou du myocarde, plus que la présence d'une fibrose secondaire au prolapsus. Donc il ne va pas être intéressant dans la détection d'un risque potentiellement rythmique. En tout cas, c'est ce que dit cette étude. Et puis on en a un petit peu parlé, il y a l'entité de la disjonction de l'anneau mitral. Alors c'est un problème complexe, je pense que Benjamin en parlera plus en amont que moi, et de façon plus détaillée. Pour vous donner des grandes idées, donc c'est quelque chose qui représente une sorte de séparation donc entre le myocarde et une sorte d'atrialisation de l'anneau mitral, donc qui s'analyse particulièrement en télésystole. C'est là qu'on voit ce fameux mouvement dont Ariane nous a déjà parlé de curling de l'anneau. Vous voyez une espèce de mouvement postérieur extrêmement important de l'anneau. Donc il est situé principalement au niveau de la petite valve mitrale. Donc la disjonction se situe à ce niveau, avec une extension plus ou moins importante. Jamais circonférentielle, vous avez le trigone mitro-aortique qui protège, on va dire. Et ce mouvement, je vous ai fait figurer la deux images comparatives. Vous avez la disjonction de l'anneau mitral à droite et un anneau mitral standard à gauche. Et vous voyez bien, ça met en lumière, je trouve, le mouvement complètement paradoxal de cet anneau mitral, qui explique bien également l'association à une fibrose localisée en raison des contraintes exercées à ce niveau. Donc cette disjonction, elle est mesurable, c'est l'image en bas à droite, et elle est également associée à la survenue de troubles du rythme. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de la rechercher. Vous voyez que dans cette population à gauche de patients qui avaient fait une fibrillation, on a dans 8% des patients un prolapsus, dans 11% des patients une disjonction, sans que ces deux populations se recoupent totalement. Et c'est un peu le problème. Dans cette nouvelle étude, vous voyez qu'on a pris des patients qui avaient une disjonction de l'anneau mitral, et donc il y en a quand même 26 qui n'ont pas de prolapsus valvulaire mitral associé, et parmi cette population, il y en a quand même 31% qui font des troubles du rythme ventriculaire. Donc on est sur une association de deux pathologies qui se recoupent partiellement, mais pas complètement, et qui exposent toutes les deux, a priori, à un surrisque rythmique. Et donc je me suis amusé à essayer de vous faire mettre en parallèle les deux. Alors je ne sais pas si on peut les appeler des pathologies, mais dans le prolapsus valvulaire, vous avez en gros 35% de patients qui ont une disjonction, et dans la disjonction, vous avez a priori 80% de patients qui présentent un prolapsus. Donc toutes les disjonctions n'ont pas de prolapsus, tous les prolapsus n'ont pas de disjonction, mais globalement, il y a quand même un risque de mort subite dans cette population. Alors comment on l'analyse? C'est pareil, on l'analyse de façon encore différente. C'est-à-dire que là, il faut vraiment tourner autour de l'anneau mitral pour essayer de mesurer son extension, puisqu'elle est principalement localisée en regard de la petite valve mitrale, mais il est possible que son extension soit associée au pronostic, donc il faut arriver à faire des coupes un peu rotationnelles autour de l'anneau mitral. Je fais figurer le papier de consensus qui est paru cette année, dont on a la chance d'avoir un co-auteur dans la salle ici présent, qui donne les éléments à essayer de recueillir en IRM pour analyser finement, on va dire, cette pathologie et cette entité. Donc vous voyez, évaluation de la disjonction avec extension autour de l'anneau et profondeur, mesure. Analyse de la valve mitrale, je ne vais pas revenir dessus, ça a été bien détaillé. Et puis, évaluation du remodelage du ventricule gauche et fibrose. Et puis la dernière question qui va se poser, c'est finalement à qui on fait une IRM en cas de prolapsus valvulaire mitral, si on ne cherche pas à le quantifier parce qu'il n'est pas forcément sévère, mais qu'on cherche à évaluer un risque rythmique, eh ben c'est pareil, ces recommandations donnent des repères et on se mérite là. Donc vous voyez, il est recommandé de faire une IRM cardiaque chez un patient qui a un prolapsus et qui a fait un arrêt cardiaque
ou un trouble du rythme ventriculaire documenté, qu'il soit soutenu ou non soutenu. Quand on a des soucis en écho, mais qu'on a a priori un fort doute sur une disjonction, et puis sur des critères un petit peu, on va dire, inquiétants associés au prolapsus, que je ne détaille pas plus amont, mais qui sont l'association à une extrasystolie importante, à une disjonction, à des ondes T négatives, etc. J'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense qu'il y a une place pour l'IRM. Merci beaucoup Pierre, c'est très beau, très belle présentation, c'est très clair. Tu t'en vas, je ne pose pas de questions. on fera les questions après peut-être à ce moment-là. D'accord. J'ai le plaisir d'inviter Benjamin Essayag, qui a fait donc des travaux très très intéressants sur la disjonction annulaire mitrale et son pronostic, puisque comme Pierre l'a très justement rappelé, c'est une valvulopathie très fréquente. Et donc, imaginez très fréquemment que des gens sont à risque de mort subite, c'est très inquiétant. Alors, est-ce qu'on a raison d'être aussi inquiet ou est-ce qu'on peut se rassurer quand même un petit peu? Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Merci à messieurs les modérateurs. Je voudrais remercier l'ensemble du comité du CNCH et plus particulièrement son président, Franck Albert, ainsi qu'Alexandro et Walid pour le formidable travail qu'ils ont fait. Alors, le prolapsus mitral en 2023, quelles sont les nouveautés? Vous voyez ici une coupe anatomopathologique avec en haut à droite l'oreillette gauche, en bas le ventricule gauche, et puis au milieu ici la valve mitrale que vous voyez qui est épaissie, redondante avec une rupture de cordage qui s'apparente donc un flail. Et puis je vous propose le cas d'une patiente de 65 ans qui n'est pas fumeuse, qui se plaint de palpitations et d'essoufflement, pas vraiment de souffle à l'auscultation. À l'échographie en haut à droite, vous voyez un prolapsus de type barloïde avec une valve qui est très épaissie, redondante. Sur le CG de surface, en bas à gauche, extrasystole ventriculaire isolé, retard droit, donc originaire du ventricule gauche, et puis en bas à droite, un holter avec des tachycardies ventriculaires non soutenues, plutôt rapides. Alors probablement un phénotype qu'on a évoqué de prolapsus valvulaire arythmique. Alors qu'est-ce que c'est le prolapsus valvulaire arythmique? D'abord, reprenons en termes d'épidémiologie la prévalence du prolapsus valvulaire mitral. Vous savez que c'est une maladie très fréquente qui compte pour à peu près 8 millions de patients en Europe. Aux États-Unis, pardon, 19 millions en Europe. C'est donc extrêmement fréquent. Et croyez-moi, c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie pharmaceutique. C'est défini, vous le voyez à droite, par une excursion de plus de 2 mm des feuillets 1 ou les deux d'ailleurs, au-dessus du plan de l'anneau par rapport à l'image de gauche où il n'y avait pas de prolapsus mitral, et qui, tu l'as dit, en absence de fuite sévère, est associé à un excellent pronostic, puisque vous voyez, lorsque l'on stratifie par la surface d'orifice régurgitant, c'est le papier de Clémence, vous voyez en haut à gauche que les patients qui n'ont pas d'insuffisance mitrale, ils ont la même survie que la population générale, c'est pareil jusqu'à 19 mm², et puis à partir de 0,20 cm² de sort, c'est là qu'il y a un excès de mortalité par rapport à la population générale. Mais, et ça on sait maintenant depuis les années à peu près 70-80, qu'il existe une proportion de ces patients qui ont une insuffisance mitrale, qui ont un prolapsus mitral, pas forcément avec une fuite d'ailleurs, et qui sont à risque d'excès de mortalité. Ça a été montré dans cette cohorte, vous voyez en bas à droite, en pointillé, les patients, 19% à 10 ans de patients d'une cohorte d'insuffisance mitrale sévère qui présentent une mort subite. Et ça a été souligné par l'équipe italienne de Cristina Basso, avec des difficultés pour définir le phénotype de ces patients. Alors Jérôme Mourdin, il a colligé l'ensemble des cas de mort subite de prolapsus mitral, et on s'est rendu compte qu'il y a un phénotype qui commence à s'esquisser de patients qui ont des prolapsus bivalvulaires, avec une disjonction de l'anneau, des valves qui sont mixoïdes redondantes, et puis c'est confirmé par des méta-analyses, mais finalement, on n'a jamais vraiment eu la définition de ce phénotype arythmique de façon précise et claire. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Certaines études ont parlé de prolapsus bivalvulaire. Ça, c'est un papier de Mayo Clinic qui a dit la prolapsus bivalvulaire est un facteur de prolapsus arythmique. Mais vous voyez ici, dans une des plus grosses cohortes d'insuffisance mitrale dégénérative, donc presque 6000 patients, vous voyez qu'il y a 30% de patients qui présentent un prolapsus bivalvulaire. Or, on l'a dit, en absence de fuite sévère ou de retentissement sur le ventricule gauche ou l'oreillette gauche, eh bien, le pronostic est excellent et on n'a pas 30% de mort subite chez les patients. La deuxième question, c'est la disjonction de l'anneau. Effectivement, l'équipe italienne souligne la disjonction de l'anneau comme un facteur de risque majeur de mort subite, mais Pierre l'a dit tout à l'heure, vous voyez que
on décrit aussi des disjonctions de l'anneau chez des patients qui n'ont même pas de prolapsus mitral. Donc pourquoi les caractéristiques et encore pire, le pronostic de ces patients est méconnu? Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'était tous des études de petite taille. Deuxièmement, principalement des méta-analyses et des études de cohorte. Troisièmement, sans évaluation exhaustive des symptômes, des caractéristiques échographiques pour pouvoir ajuster dans les analyses. Et puis, sans suivi à long terme. Donc la seule façon de résoudre cette énigme, c'est de reprendre des patients qui ont un prolapsus mitral qui est isolé, de les analyser de façon exhaustive sur le plan échographique et électrocardiographique, et puis de les suivre à long terme en classant l'arythmie en bas à gauche par, de façon non sévère, c'est-à-dire moins de 5% de SV, arythmie minime, plus de 5% de SV ou des TV de moins de 120 par minute, arythmie modérée, TV entre 120 et 180, et arythmie sévère, TV supérieure à 180. Ensuite, caractériser sur le plan échographique, c'est-à-dire prendre chacune des images et puis rechercher les caractéristiques du phénotype. Est-ce que le phénotype est bivalvulaire? Est-ce que les valves sont épaisses? Est-ce qu'il y a une fuite en bas à gauche? Est-ce que les feuilles sont redondants? Vous voyez en bas à droite, on voit très bien sur la coupe petit axe, on peut faire une coupe TM, puis on voit les festons de la valve mitrale. Et on les suit à long terme. Et bien, regardez la première information chez ces patients, vous voyez en bas à gauche, sur la mortalité toute cause, que l'excès de mortalité à 8 ans, il est complètement corrélé à la sévérité de l'arythmie. Il est que de 10% pour des patients qui ont des arythmies minimes ou qui n'ont pas d'arythmie, alors qu'il est de 24% pour des patients qui ont des arythmies sévères. C'est vrai aussi à droite sur le critère composite qui est la mortalité, l'implantation d'un pacemaker, d'un défibrillateur ou l'ablation. Lorsqu'on le regarde uniquement les patients sous traitement médical, c'est-à-dire on les suit jusqu'au moment où ils sont opérés ou alors jusqu'au décès, eh bien on retrouve exactement les mêmes constatations. Et fait très intéressant, c'est le deuxième point important, c'est lorsqu'on regarde uniquement les patients qui ont été opérés, c'est-à-dire qu'on les suit à partir du moment où ils ont été opérés puis jusqu'à la fin du suivi ou le décès, ben vous voyez que l'excès de mortalité qui est associé à l'arythmie sévère, il tend à diminuer, il est d'ailleurs plus significatif, ce qui suggérerait, mais il faudrait une étude spécialisée pour ça, que la chirurgie corrigerait l'excès de mortalité qui est associé au prolapsus arythmique. Et donc, on est arrivé à cette conclusion-là, prolapsus arythmique, en haut à gauche, phénotype qui associe maladie de Barlow, disjonction de l'anneau, feuillet redondant, donc typique d'une maladie de Barlow, des modifications caractéristiques à l'ECG de surface, des ondes T négatives, des inversions de l'onde T, des sous-décalages du segment ST, une classification de l'arythmie qui est complètement corrélée à l'excès de mortalité. Donc, premier message de cette présentation, dans tous les phénotypes valvulaires mitraux, il faut rechercher le phénotype arythmique. Alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il de la disjonction annulaire? Et puis, est-ce que la disjonction de l'anneau est associée à une mort subite? Mais d'abord, pour répondre à cette question, regardons d'abord ce que c'est vraiment que la disjonction de l'anneau et puis comment est-ce qu'on la caractérise? Parce que là aussi, les avis sont divergents. Vous voyez, en bas à gauche, une coupe arsenale grand axe avec une prolapsus bivalvulaire, le trait rouge qui représente la ligne de l'anneau mitral et la désinsertion entre l'insertion du feuillet postérieur et le départ du ventricule gauche sous la chance. C'est ça qu'on appelle disjonction de l'anneau. À droite, le même prolapsus bivalvulaire sans disjonction de l'anneau. Mais la disjonction de l'anneau, elle ne peut s'analyser que de façon dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder la valve tout le long du cycle cardiaque pour pouvoir définir la position de l'anneau mitral postérieur. Et c'est cette position de l'anneau mitral postérieur en télésystole que l'on va suivre tout le long de la systole jusqu'au début de la diastole et qui va nous dire si finalement il y a vraiment un détachement entre l'insertion du feuillet et le départ du ventricule gauche, ou bien si c'est juste un excès de tissu de la valve et qu'elle s'insère bien au niveau du ventricule gauche. Alors vous voyez ici, on va regarder la valve image par image. Vous voyez en protosystole l'insertion du feuillet postérieur qui est ici, et puis en fait, on va le suivre tout le long. Je vais peut-être pouvoir arrêter le film, vous voyez. L'insertion est ici, on va le suivre tout le long, et c'est uniquement en suivant la position de l'anneau qu'on voit qu'ici, l'anneau, finalement, il se retrouve là. Et le ventricule gauche commence un peu plus bas, et donc cette distance-là, c'est bien une disjonction, et pas une pseudo-disjonction de l'anneau mitral. Alors cette disjonction, elle se voit très bien en échographie transthoracique, et ça suffit pour faire le diagnostic. Elle peut se voir également, là, Pierre, tu l'as dit, en IRM, elle se voit également en échographie 3 dimensions en ETO, mais l'ETO, elle ne va pas être indiquée en première intention, elle est indiquée si elle est indiquée pour autre chose dans l'évaluation du prolapsus. Alors qu'en est-il
du pronostic de cette disjonction annulaire pris isolément sur la survie. Ben, vous voyez, lorsqu'on suit les patients longtemps, vous voyez en haut, sur la courbe rouge, les patients à gauche qui n'ont pas de disjonction annulaire, en bas, ceux qui ont une disjonction. Lorsque l'on prend comme critère de jugement l'apparition des arythmies, on voit que la disjonction, elle est complètement corrélée à la présence de l'arythmie. Donc oui, il y a un lien entre disjonction de l'anneau et arythmie ventriculaire. C'est aussi vrai, c'est la courbe Kaplan-Meier du sang sous traitement médical. Et vous voyez qu'après la chirurgie, il y a toujours cet effet-là, mais ça devient non significatif avec un petit p inférieur à 0,05. Par contre, lorsqu'on regarde le lien de la disjonction uniquement avec la surmortalité, et je vous rappelle que la disjonction annulaire dans cette cohorte, c'était 30% des patients, donc c'est quand même assez fréquent, ben vous voyez qu'il n'y a pas de lien corrélé avec la mortalité. Donc la disjonction, finalement, dans les 10 premières années, tend à faire développer, puisque c'est un sujet à 10 ans, un excès d'arythmie, puis c'est l'arythmie qui, dans les 10 années suivantes, vont donner un excès de mortalité. Mais rassurez vos patients, la présence d'une disjonction annulaire isolée n'est pas un facteur de mort subite. Alors la disjonction à l'inverse du prolapsus valvulaire qui n'était pas forcément arythmie, qui n'était pas forcément liée à l'âge, la disjonction était plus souvent retrouvée chez des patients jeunes, c'est en haut à gauche, qui avaient des ventricules gauches assez larges, des feuillets redondants et des prolapsus pour le coup bivalvulaire. En présence d'une disjonction annulaire, deuxième message, monitorer les patients et rechercher les arythmies. Et donc maintenant, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire en pratique? Eh bien, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre dans ce document conférence de consensus pour dire deux choses. Il faut qu'on parle tous de la même chose quand on parle du diagnostic, et puis il faut qu'on essaie au moins d'esquisser un semblant de process au moins pour le suivi des patients qui pourra déclencher, qui sera la base de futurs essais pour gérer le traitement. Alors, la conférence de consensus a repris la définition suivante en bas à gauche du prolapsus arythmique, qui associe donc la présence d'un prolapsus valvulaire mitral avec ou sans disjonction de l'anneau, puisqu'on peut avoir des arythmies sans disjonction de l'anneau, la présence d'arythmies ventriculaires qui sont soit fréquentes ou bien complexes, et puis l'absence d'autres substrats ventriculaires isolés, en reprenant à droite la classification que l'on avait décrite. Et puis, finalement, je vous propose ce schéma de prise en charge qui finalement est assez simple, avec en haut la présentation clinique qui va dicter la prise en charge. Un patient asymptomatique, c'est pas pareil qu'un patient qui se présente avec des palpitations, et c'est probablement moins grave qu'un patient qui se présente avec un épisode de syncope ou présyncope. En fonction de ça, le premier holter, ça va être le holter diagnostique qui va déterminer l'arythmie, et puis en fonction du résultat de ce premier holter, soit on n'a pas d'arythmie ventriculaire et c'est le courbe de gauche, mais on a des caractéristiques phénotypiques qu'on a énumérées, dont Pierre l'a dit, le réo tardif à l'IRM, et donc là on va faire des monitorings plus fréquents, ou bien on a à droite des tachycardies ventriculaires, et là c'est la sévérité qui va déterminer l'intensité du screening et ou le traitement. Des tachycardies ventriculaires de haut risque, plus de 180 battements par minute, là on va se poser la question d'intervenir, et si la fuite est sévère, probablement que la chirurgie valvulaire pourrait corriger l'excès de mortalité qui est lié à l'arythmie. Si la tachycardie ventriculaire n'est pas sévère, eh bien on va aller vers un screening peut-être plus intensif, et la conférence de consensus a suggéré l'implantation d'un holter implantable chez ces patients. Donc troisième et dernier message, en présence d'un phénotype arythmique, d'un prolapsus valvulaire, monitorer les arythmies et en fonction de l'arythmie détectée, intensifier ou non la surveillance de ces patients. Je crois que j'en ai terminé. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais peut-être commencer par te poser une question. Monsieur Carpentier disait souvent que, effectivement, le fait de faire la plastie mitrale, ça stabilisait la dynamique mitrale et que ça diminuait la mortalité rythmique. Bon, on n'avait pas de preuves, sauf l'habitude qu'on a de lui donner raison. Et là, tu nous montres des courbes qui, finalement, dont la différence s'émousse aussi. Alors, sur des IM qui sont quand même très difficiles à quantifier, quand c'est des prolapsus bivalvulaires, est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait de se dire il faut opérer ces patients plus tôt pour diminuer le risque rythmique, même si l'IM n'est pas majeur? C'est parfois des patients qui ont des ventricules qui sont un peu dilatés. On ne sait pas s'ils sont dilatés à cause de la fuite ou à cause des anomalies murales et de la disjonction. C'est une excellente question. Il y a deux points dans cette question. La première, c'est que toutes les études tendent à montrer que l'excès de mortalité commence à partir d'une fuite qui est modérée.
Donc probablement, aujourd'hui le cut-off c'est 0,40, on est en train de travailler pour voir si, on ne dit pas qu'il faut opérer des IM qui ne sont pas sévères, mais l'excès de mortalité par rapport à la population générale apparaît à partir d'une fuite en termes de sévérité qui est modérée, donc à partir de 0,20, et après ça croît de façon proportionnelle jusqu'à 0,40 et au-delà, mais que chez ces patients qui ont des fuites qui ne sont pas sévères, donc si on prend juste le cut-off de 0,40 et quand on est un peu en dessous, ce que l'on suggère, c'est de regarder les retentissements, notamment la taille de l'oreillette gauche, avec un volume supérieur à 60 000 par mètre carré, Ariane l'a dit, la taille du ventricule gauche. Il faut regarder aussi l'hypertension pulmonaire, parce qu'on s'aperçoit finalement que l'excès de mortalité, c'est pareil, il n'est pas à 50, mais il commence à 35. Donc quand il y a une hypertension pulmonaire débutante, il commence à 35. Et si on a des critères de mauvais pronostic, il faut probablement pousser ces patients à être opérés, d'autant que maintenant on peut les opérer à 95-98% avec des plastiques mitrales, qui la plastique mitrale, lorsqu'elle est faite en amont et avant les retentissements, n'est plus une chirurgie de sauvetage, mais c'est une chirurgie curative, c'est-à-dire que ça restaure la survie chez ces patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'en est-il pour le prolapsus arythmique? Alors, dans le consensus, pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves. Donc, ce qui est certain, c'est qu'une fuite qui est sévère, même si elle est asymptomatique en présence d'un rythme arythmique, il faut opérer, et peut-être qu'il faudrait d'abord l'opérer puis voir après pour lui implanter un défibrillateur, et puis s'il n'y a pas d'arythmie qui apparaît, eh bien probablement qu'on attendrait plutôt que de l'implanter d'abord. Maintenant, chez des patients qui ont des fuites qui sont modérées mais avec des arythmies sévères, c'est une réelle question. Il faudrait des essais pour répondre à cette question-là, donc pour l'instant je n'ai pas la réponse, mais dans notre expérience, probablement qu'en présence de ces critères de mauvais pronostic, pousserait le patient à être opéré pour ensuite monitorer l'arythmie et qui tend effectivement à disparaître, en tout cas après la chirurgie cardiaque. Merci, merci beaucoup. Bravo pour vos topos. Je trouve que moi qui suis cardiologue interventionnel, j'apprends plein de choses. Et c'est magnifique ces travaux. On a eu il n'y a pas très longtemps, donc à Chartres, une jeune femme de 19 ans, nous, qui a fait une mort subite récupérée après une séance de judo au moment de la rentrée scolaire. On a fait tout un bilan. La seule chose qu'on lui a trouvée, c'est un prolapsus bivalvulaire avec une disjonction de l'anneau mitral qui était mesurée, je crois, à 12 mm de mémoire en IRM. Et du coup, bon, elle va très bien. Elle a été massée par son père qui faisait la séance d'entraînement avec elle, qui avait été sapeur-pompier. Donc. Mais on se dit, on a des patients quelquefois en consultation qu'on nous envoie comme ça, on leur trouve un prolapsus mitral. On ne fait pas toujours attention à la disjonction de l'anneau mitral, donc maintenant je pense qu'il faut vraiment apprendre. Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vu cette patiente 6 mois avant, qui se plaint de rien évidemment, qui était sportive, en master 2, bon, qui n'a jamais fait d'événement, qui avait un électro qui était normal, sans extrasystole ventriculaire, quand elle a été télémétrée aux soins intensifs, elle n'avait aucune extrasystole ventriculaire. On a fini par lui mettre un DEF sous-cutané. La courroux était normale, courroux scanner. Et c'est vrai qu'on se dit, mais j'aurais vu cette patiente un an avant pour un certificat de sport avec un prolapsus mitral. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une très bonne question aussi. Alors, la première chose, c'est effectivement, en termes donc, de prolapsus mitral, rechercher les caractéristiques phénotypiques sur l'échographie de prolapsus arythmique. Donc, je vous le redis, mais c'est la redondance des feuillets mitraux, donc des feuillets qui sont très épais redondants, la présence d'une disjonction de l'anneau, des anomalies sur l'ECG de surface à type d'onté négative ou de sous-décalage du ST, mais peut-être qu'elle n'avait pas d'anomalie sur l'ECG de surface. La deuxième chose qu'on fait, c'est un Holter. Pour l'instant, c'est un Holter de 24 heures, il n'y a pas de recommandation, on ne sait pas s'il faut le faire pendant plusieurs jours, mais au moins un Holter de 24 heures. Et la troisième chose qui est introduite dans les recommandations, qui ne fait pour l'instant pas partie de l'évaluation systématique des prolapsus mitraux, c'est de lui faire une IRM myocardique. Parce que le substrat, a priori, c'est un substrat pro-arythmogène. Donc, l'hypothèse, hein, c'est la tension de la valve mitrale qui est très redondante. C'est-à-dire, plus la valve est redondante, plus elle crée comme une voile de bateau à chaque systole, une tension sur l'anneau postérieur. Pourquoi l'anneau postérieur? Parce que l'anneau antérieur, il est ancré profondément à l'intérieur de l'anneau aortique, donc il ne bouge pas, alors que l'anneau postérieur, il est libre entre la jonction de l'oreillette et du ventricule. Donc, ça crée cette tension active des voies d'apoptose, puis de fibrose, et donc crée ce substrat arythmogène. Donc, la troisième chose après l'écho et les holters, c'est l'IRM myocardique. L'IRM myocardique, probablement qu'il a montré chez elle, ou qu'il aurait montré chez elle, de la fibrose. Et donc là, le raisonnement, il est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les implanter sans preuve arythmique, ça c'est hors de question, mais par contre,
au lieu de lui faire un halter, on se dit on la revoit dans un an, on lui refait un halter peut-être tous les mois ou tous les deux mois, et on intensifie le halter pour voir si elle faisait des arythmies ou pas. Parce qu'a priori, les patients qui ont un excès de mortalité, c'est des patients qui font des arythmies sévères. Et la quatrième chose, qui est à l'étude pour l'instant, qui a été simplement citée dans les recommandations parce qu'on n'a pas encore terminé l'étude, c'est d'évaluer le retentissement de cette fuite, de ce phénotype, puisque probablement qu'elle n'avait pas de fuite, à l'effort. Donc la quatrième chose, c'est de lui faire une épreuve d'effort ou une écho d'effort. Il semblerait, et c'est des résultats préliminaires qu'on vient d'avoir la semaine dernière, mais il semblerait que l'effort déclenche plus favorablement, on va dire, que le repos, le substrat arythmogène, sans que pour l'instant on ait la preuve. Il n'y aurait pas de lien entre l'arythmie à l'effort et la mortalité, mais il y aurait un lien entre le prolapsus arythmique et l'arythmie à l'effort. Donc je lui aurais fait une écho d'effort pour compléter le bilan, ça fait partie de la quatrième chose, et en espérant que l'écho d'effort aurait pu entraîner ou démasquer le phénotype. Donc échographie, holter, IRM myocardique avec injection de gadolinium pour étudier le rehaussement tardif et écho d'effort. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super. Sur les caractères pronostiques de la disjonction, est-ce qu'il y a par exemple, enfin j'ai bien compris la fibrose, est-ce que la taille de la disjonction est pronostique? Il y a aussi on a vu passer des choses sur le Doppler tissulaire, aussi la forme du Doppler tissulaire au niveau de la disjonction en elle-même qui pourrait avoir aussi un intérêt pronostique. Est-ce qu'on a des datas là-dessus? C'est aussi une très bonne question. Alors en Doppler tissulaire, c'est le deuxième point, c'est le signe de Pickle-Hobe, c'est un des anciens de Mayo Clinic qui a sorti ça. Bon, c'était sur 20 patients, donc clairement il n'y a pas de lien avec le, il y a aucune preuve de lien avec l'outcome. C'est bien parce que ça fait citer quelque chose, mais c'est pas quelque chose qu'on a cité dans la conférence de consensus, mais qui fait pas partie des choses à regarder spécifiquement pour le devenir. Par contre, on a regardé effectivement dans notre cohorte la longueur de la disjonction, et il semblerait que plus le MAD soit long, plus le risque d'arythmie est important. Mais encore une fois, c'est simplement une tendance. C'est des hasard ratios qui n'étaient pas tellement significatifs. Et puis, maintenant que ça est diffusé, il y a quand même aussi un écueil de mesure on parle de quelques millimètres de différence. Il suffit que la position de l'anneau ne soit pas la même chez tous les relecteurs de l'image. Et puis, on passe de 8 mm à 12 mm de façon... disons assez rapide, quoi. Alors que bien qu'on soit tous d'accord pour dire maintenant, selon les mêmes critères, est-ce qu'il y a une disjonction ou pas, la reproductibilité interopérateur, elle est très bonne. Par contre, pour la longueur de la disjonction, bon. Donc, je pense pas, pour faire simple, qu'il faut plus s'inquiéter quand la disjonction est à 12 que quand la disjonction est à 8. Par contre, si vous avez une disjonction de 25, j'en ai pas vu beaucoup, ça peut arriver, probablement que c'est un peu plus important, mais en tout cas c'est pas ça qui va changer grand chose dans la stratégie thérapeutique, au moins dans le screening. Mais écho, IRM et les holter, ça pour sûr, ça fait partie des trois piliers. Merci. Merci beaucoup, je vais conclure. Merci à tous, merci. En tout cas pour une très belle session d'imagerie. Et ça va être la pause déjeuner. À bientôt.